Bonjour tout le monde, c'est Madi. Merci beaucoup pour vos messages de rétablissement, tous vos conseils, toutes vos recettes que vous m'avez données. Vous voyez que je vais beaucoup mieux, même si j'ai un léger reste de rhume qui s'entend peut-être dans ma voix d'ailleurs. Mais sinon, je vais très bien. J'ai bien dormi, donc j'avais envie de vous refaire un tirage aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop revenir sur les prévisions d'octobre que j'avais fait. Hein. On n'est que début de la première semaine d'octobre. Donc, on va attendre. Hein. Mais on va regarder tout ce qui concerne l'armée, parce que je sais que beaucoup se posent des questions, moi aussi. Et on va voir si on pourrait avoir une intervention de l'armée, pour une raison ou une autre, en France, sans forcément donner une période de temps, on va dire, dans les prochains mois, jusqu'à la fin d'année, en fait, hein, donc dans les 3 prochains mois. Et voilà. Donc, c'est ça que j'avais envie de regarder. Alors, va-t-on avoir une intervention de l'armée en France? Et on va essayer de voir un petit peu ce qui sort. Et je vais prendre pour cela le jeu de O. Alors, vous me demandez toujours ce que c'est comme jeu. Bah, c'est le jeu de O, OH, que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, on a le feu vert avec l'argent. D'accord. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des questions financières qui sortent. On va voir. Alors, va-t-on avoir une intervention de l'armée en France? On va essayer de mettre 6 cartes pour voir. Alors, une intervention de l'armée, donc une intervention militaire en France dans les prochains mois. Alors, on a un tourbillon, c'est-à-dire en fait une situation dans laquelle on ne s'en sort pas. Hein. Le tourbillon, c'est un piège mortel. On a ici une scission ou une séparation. On a la liberté hein, ou l'envol. On a ici les manifestations. Pour moi, c'est la carte des manifestations. Le temps et l'idée qui me vient tout de suite, c'est que le temps presse. Le temps presse. Donc, c'est un peu les questions d'urgence ici. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à la question, mais j'ai un petit peu le contexte de la France où on retrouve quand même, effectivement, le fait que ça devient vraiment une situation d'urgence, qu'il y a bien une séparation entre deux catégories de la population, le passe et non-passe. Hein. Ici, on a bien les manifestants avec une situation, encore une fois, qui devient de plus en plus incontrôlable. Bon. Et ici, eh bien, on a l'oiseau. Alors, l'oiseau, c'est la liberté, c'est l'envol, c'est le départ. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, je vais remettre des grandes cartes en dessous. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse à ma question, mais on va voir. Hein. Souvent, moi, je commence déjà par voir le contexte. Et puis après, les choses s'affinent au fur et à mesure que je me plonge vraiment dans le thème. Dans le thème de la question. Ok. Alors ici, j'ai rigide. Bon. Donc déjà, ça, c'est la fameuse politique du gouvernement hein, qui ne change pas. Mais ça, je vous l'avais dit. Hein, comme beaucoup d'ailleurs, je crois. Hein. Donc la politique qui reste rigide. Donc chacun reste sur ses positions. Et donc, ce qui va provoquer une espèce de tourbillon. D'accord. Donc les choses vont s'accélérer. Ici, esclave, on peut pas mieux dire, hein, les esclaves du pass, bon, ou esclaves pour avoir en fait accès à certaines choses qui sont quand même de l'ordre de la normalité, hein. Habitude, on ira voir ce que c'est ici. Là, j'ai enfants, ah, ça, c'est les enfants qui sont au cœur des manifestations, en tout cas, ça va certainement s'accélérer pour défendre les enfants, hein. Dépendre d'eux, ouais, donc il y a vraiment des questions de timing, des questions d'agenda ou des questions de temps et hésitation. Ouais. Donc moi, c'est ce que je ressens en fait hein, par rapport à l'armée, c'est que pour l'instant, ils sont pas prêts. Donc c'est pour ça qu'on aurait dépendre d'eux et hésitation. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Enfin, urgence, si, il y en a un, mais enfin, pas assez. Pas assez pour les faire intervenir. Et donc, ça pourrait être ça. Alors, l'habitude... Là, je ne sais pas. On ira voir. Bon, là et là, ça se comprend. On va aller regarder ici et là. Parce que c'est là que c'est bloqué, en fait. Hein. Ok. Alors, toujours par rapport à l'armée. Ici, on va peut-être même mettre 2 cartes. Et là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les questions d'argent et les questions de peur. Alors, peur par rapport à l'argent. Alors, ça me dit que plusieurs choses, en fait. Déjà, par rapport aux personnes de la population, il va y avoir des grosses inquiétudes par rapport à l'épargne, mais pas seulement. Oui, ça peut être effectivement des questions financières, donc comme je vous dis, l'épargne, la bourse, mais ça peut être aussi le fait que les gens deviennent vraiment, comment dire, de plus en plus dans une situation d'urgence. Hein. Il y a des questions monétaires, des questions de survie même qui vont se poser ici. Hein. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi par suite de ce chantage. Donc ici, il y a un élément important qui, à mon avis, va entrer en jeu. Ici, on a alors la balade et les mesures. Donc il y a quelqu'un qui rameute les foules ici. Hein, c'est toujours la personne pour moi qui... quelqu'un qui a écrit c'est du pipeau. Non, c'est pas du pipeau pour moi. C'est plutôt vraiment quelqu'un qui ameute les foules là. Hein. J'ai pas d'autres cartes pour ça. Donc c'est à ça que ça fait penser. Et donc il y a des mesures ici. Bon. Alors il se peut que ce soit ici qu'on ait deux choses en fait, qui ne sont pas en rapport l'une avec l'autre. C'est possible. On peut soit avoir des questions financières avec, effectivement, ce que je viens de vous dire, crise boursière, peur pour l'épargne, etc. Et soit, ici, des gens qui ont peur. Alors, on peut mettre les deux ensemble, mais pas forcément. On va essayer de voir si ces deux-là sont à mettre ensemble. Et on va remettre une carte. Je vous rappelle que je suis sur l'histoire de l'armée pour l'instant. J'ai rien. Hein, je les sens passifs pour l'instant. Je les sens vraiment en attente. Il y a rien qui bouge. Bon, alors c'est pas vrai partout. Hein. Vous savez, en astrologie, j'avais bien vu l'intervention militaire. Oui, il y en a. Puisque par exemple, en Australie, ma foi, on peut pas dire. Hein. Eux, ils sont en plein dedans. Bon, puis policiers, policières, militaires, c'est vrai qu'en astrologie, on peut pas trop différencier les deux. Mais c'est vrai que s'il y a des interventions, on va dire, assez musclées quand même dans le monde. Et puis, je vais même pas parler de ce qui s'est passé en Afghanistan. Hein. Militaire, armée, oui. Bon, ben tout ça, c'est pareil. Hein. À partir du moment où il y a des armes. Alors, violence. Violence avec de l'argent. Bon, ça va pas bien ensemble. Hein. Donc là, il faut s'attendre à ce que les gens, en fait, à mon avis, c'est ça. Est-ce que les gens, en fait, fassent preuve de violence parce qu'il y a des questions financières. Et c'est vrai que je viens de lire que il va y avoir baisse des aides au chômage, hein, si j'ai bien vu, enfin, des choses comme ça. Hein. Donc là, ça va susciter de la violence. Hein. Les questions financières, je n'ai pas encore très souvent sorti cette carte-là, mais ça va intervenir. Et ici, ah ben on a quand même un danger qui sort avec la peur. Hein. Bon. Donc, lentement mais sûrement, on trouve des choses quand même qui... autant ça peut être le début ici, avec éventuellement cette carte-là qui va s'accentuer. Autant là, j'ai l'impression que je vais plus vers l'avenir, mais l'avenir très très proche. Je ne sais pas, vous voyez bien. On va regarder ici. Alors, faillir, donc des mesures qui ne portent pas leurs fruits. Hein, faillir, des mesures qui ne fonctionnent pas. Ça peut être évidemment le gouvernement, ça. Hein. Et là, aimer. Oui, donc c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est aimé des foules et qui est en train de rameuter les populations, en fait. Hein. De réunir les gens, de regrouper les gens, de faire, en fait, une union ici. Mais je ne vais pas donner de nom parce que, bon, ça peut être plusieurs personnes. Enfin j'en sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être aussi une personne qu'on ne connaît pas. Donc, pour l'instant, l'armée, ben, elle ne sort pas. Ce que je sors, moi, c'est plutôt les choses qui se passent effectivement en France, hein, avec encore une fois le pass, la politique du gouvernement qui, de toute façon, va entraîner tout le monde dans le tourbillon, donc c'est un piège hein, dont on ne sort pas. Un tourbillon, on ne peut pas en sortir, hein, vous restez au fond, vous allez tout au fond normalement. Boum. Et pour vous en sortir, ben faut qu'on vous lance une corde, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc là, c'est vraiment le gouvernement qui se sabote lui-même parce qu'il ne fait pas marche arrière. Les gens qui vont monter à l'assaut des... enfin, comment dire... À l'assaut du gouvernement, oui, si je puis dire, hein, parce qu'il va falloir vraiment défendre les enfants. On commence à avoir de plus en plus de témoignages sur les effets du vax, sur les enfants. Je ne vais pas dire ce que je pense ici, mais enfin, je pense comme vous, on va dire. Hein. Alors, on va la regarder au niveau ici et là, et voir finalement si l'armée va enfin intervenir ou pas. Alors, enfin, intervenir, dis donc, il faudrait voir évidemment si c'est positif, parce que si on a une loi martiale, évidemment, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite non plus. Hein. Donc là, j'étais partie sur dépendre d'eux. Dépendre d'eux, comme je suis sur les questions d'armée, c'est l'armée qui dépend d'eux, qui dépend d'un timing. Alors, on va voir ce que ça peut être. Ici, c'est à mon avis une carte un petit peu à part, donc on va la remettre de côté. Hein. C'est juste, en fait, la personne qui qui regroupe les Français, mais je ne veux pas m'éloigner du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ou qu'est-ce qu'il va faire intervenir à l'armée et est-ce que l'armée va intervenir? On va essayer de voir par là, parce que c'est bien l'hésitation que je sors. Hein. L'hésitation, pour moi, elle est bien sur l'armée, par contre. Elle est là, en fait, l'armée. Elle est avec la montre, donc il y a la question de retard et il y a les questions hésitation. Moi, j'ai l'impression qu'ils interviendront quand il y aura un danger, ici. En fait, ces trois cartes-là, on pourrait les mettre en relation, effectivement, avec l'armée. Et la violence, plutôt avec, à côté des enfants, on va dire ici. Puisque là, c'est les manifestants. Hein. Alors, quand je dis violence, c'est pas les manifestants, faut pas que je me fasse mal comprendre. Mais disons que c'est violence par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses négatives par rapport à l'argent, c'est plutôt ça. Hein. Ce qui fait que les personnes vont réagir violemment, on va dire ça comme ça. Alors, dépendre d'eux. Alors, il y a les gens, il y a les enfants, ok. Ici, hésitation, ouais, ça c'est la foule, c'est les, pareil, c'est le peuple, hein, là et là. Et là, il y a la politique ou l'idéologie. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-là. Alors, hésitation par rapport aux foules ou par rapport aux gens en général, hein, ça inclut évidemment les enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une hésitation ici? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation pour se mettre du côté des gens. C'est ça qui m'embête un peu, moi. Et là, on va remettre aussi une carte sur le danger. Parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Voilà. Alors, ici, j'ai se libérer d'eux. Ouais. Là, j'ai contrainte. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. L'armée n'est pas libre d'intervenir. Hein. Vous voyez, vous avez les contraintes ici. Hein. Et là, vous avez aversion. Bon. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'armée, par contre, n'est pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer au niveau politique. Hein, vous avez l'aversion par rapport à l'idéologie politique, éventuellement le NOM, vous savez ce que c'est, et évidemment par rapport au gouvernement. Ils sont contre, hein, attention, ce sont quand même des patriotes. Hein. Donc, ils ont vraiment leur opinion, hein, ces gens-là. Ce sont des Français... encore une fois, patriotes. On peut ne pas être d'accord, mais enfin, bon, on va dire que la majorité d'entre eux ont une aversion pour les histoires politiques. Mais il y a une contrainte. En fait, on pourrait lire ici « se libérer de contraintes ». Donc, ils attendent quelque chose. On le voit bien. Vous avez des cartes « dépendre d'eux »,« hésitation »,« se libérer d'eux » et « contraintes ». Ces quatre cartes qui vont dans le même sens. Ils ne sont pas prêts. Hésitation, contrainte. Ils sont soumis à des contraintes. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas intervenir pour l'instant. Hein, il y a les questions de temps, il y a les questions de timing, il y a les questions de dépendre d'eux. C'est pas le moment. Bon, par contre, ici, on a bien quand même faillir. Et ça, je pense que c'est le gouvernement, les mesures gouvernementales qui vont échouer. Hein, on pourrait le mettre à côté de rigide éventuellement. Bon. Alors, c'est une carte que j'ai pas retournée ici. C'est l'école. Donc, c'est toujours la question des enfants ici. Alors, oui, alors ça peut être les enfants. C'était ma première intuition. Ou est-ce que c'est des lois? On va voir. Je vais remettre une carte. Parce que j'étais en train de voir le danger, moi. Mais oui, ça peut être quand même encore les enfants. Ça peut être encore une fois les enfants. Les enfants sont en danger. Mais ça fait longtemps que je le dis aussi. Pour l'instant, je vais remettre qu'une carte là. Cycle, ouais. Donc, il y a une espèce de cycle par rapport aux enfants, là. Bon. Alors, c'est vrai que la carte habitude, je ne l'ai pas recouverte. On va aller regarder ce que c'est ici. Pour le danger, je pense vraiment que c'est les enfants, mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Pour l'instant, encore une fois, ils sont bloqués. Ils n'interviennent pas. On va voir. Alors, habitude. Et on va voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils se libèrent des contraintes. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont se libérer des contraintes? On va mettre une carte sur trois, voilà. Alors, habitude, oui, donc en fait, c'est ça. Donc, ils interviennent. Alors, ça peut être aussi les fourmis soldats. Hein. Alors, je n'ai pas toujours cette interprétation. Enfin, bon, là, étant donné que je suis sur l'armée, on va dire que ça peut être les petites fourmis soldats. Et en même temps, c'est les ennuis. Donc, habitude d'intervenir, en fait, quand il y a des ennuis. Hein, des gros ennuis. Donc, c'est ça, en fait. Ok. Et l'aigle, c'est aussi... Enfin, pour moi, c'est un aigle. Hein. Bon, on y voit un aigle ou on n'y voit pas un aigle. Mais enfin, c'est un oiseau qui vole très, très haut. Donc, l'aigle, c'est aussi un animal de pouvoir. Donc on va dire que leur habitude est d'intervenir et de, comment dire, avec autorité, hein, l'aigle c'est aussi l'autorité, quand il y a des ennuis. Bon, alors, dépendre d'eux, bah oui, ils attendent un petit peu en fait le serpent, donc que les choses sont venimeuses. Hein. Vous voyez comme j'essaie de remettre en perspective, venimeux, c'est le venin, c'est le serpent. Donc quand les choses s'enveniment, donc quand les choses vraiment se dégradent et quand il y aura de la violence. Et c'est là qu'ils interviendront. A priori, j'ai quand même l'impression qu'ils vont intervenir. Bon. On va remettre encore une carte sur chaque. Et puis après, on ira changer de jeu parce qu'il ne faut pas que je sorte trop de cartes avec un jeu. Après, ça ne veut plus rien dire. Hein. Embarrassés. Ouais, pour l'instant, ils sont embarrassés. C'est pas encore le moment, ce que je vous dis. Hein. Enfin, ils voient qu'il y a des ennuis, c'est vrai. Mais pour l'instant, bon, c'est pas encore assez fort. Je vous dis, ils attendent ça. Alors, serpent et apparence, d'accord. Et là, on a haine. Ouais, ça sort bien ensemble. Alors, serpent, apparence. Alors, apparence, c'est quand on donne une image qui n'est pas vraie. Le serpent, c'est pareil. C'est l'animal que l'on met en relation avec la trahison. Donc, apparence de haine, c'est un peu bizarre. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ils vont intervenir quand il y aura... alors des histoires de trahison, des gens qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont, mais qui sont mauvais, qui se dissimulent sous une apparence, et en fait qui sont dangereux, et effectivement qui vont intervenir avec violence et haine. Et c'est là où ils interviendront à mon avis, mais pas avant. Alors ces gens-là, alors on pourrait éventuellement là aller rajouter le danger, hein, cette fois. En plus, ça va bien ensemble, ces trois-là. Apparence, haine, danger. Alors, oui, donc là, il y a la clé. Alors, ça peut être la solution, la clé. Et là, on a quand même quelque chose de positif. C'est comme si les gens allaient quand même se réjouir de leur intervention. Hein. Victime. Ah, par contre, ça m'embête, parce que ça veut dire qu'on va attendre qu'il y ait des victimes pour qu'ils interviennent. Et là, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire, attendre. Bon. Et ensuite, eh bien, les choses sont quand même positives. Bon, alors, il faut que je vous dise que l'armée, moi, je ne le sens pas négatif, c'est l'armée. Je ne le sens pas négatif parce qu'il y a quand même une aversion par rapport à une idéologie. Donc, s'ils sont contre les histoires de gouvernement, ben, normalement, ça veut dire qu'ils sont quand même plutôt pour le peuple. Ça paraît logique, hein. Mais ils sont pour l'instant bloqués. Parce que la situation n'est pas assez grave pour qu'ils interviennent, même si on peut dire, oui, les manifestations, etc. etc. Ben oui, mais s'ils interviennent quand c'est trop tôt, ça peut se retourner contre eux et ça peut se retourner, évidemment, contre le peuple. C'est pas non plus ce qu'ils veulent. C'est pas des gens idiots, attention, hein, c'est des gens intelligents. Hein. Donc, ils vont malheureusement devoir attendre qu'il y ait des victimes, qu'il y ait des gens, donc le serpent, là, hein, avec la haine, et avec vraiment des gros ennuis, et là, ils interviendront. Alors, on va essayer de voir si, justement, si ça va se faire, parce que là, j'ai dit, en fait, c'est le conditionnel, hein. Si, en fait, c'est juste les conditions dans lesquelles ils peuvent intervenir, mais est-ce qu'ils vont intervenir? Ça, c'est une autre question. Alors, pour ça, je vais plutôt prendre ce jeu-là, le jeu Habitat que j'aime bien, qui sort bien aussi, hein, quand je fais des petites consultations. Très sympa, ce jeu-là. Je vous le montre, hein, voilà. Alors, on a donc les conditions. Hein, il faut que, en fait, il y ait des victimes pour que l'armée intervienne. Mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Donc là, on va poser la question. Alors, j'ai la tempête et l'appel à l'aide. Mais en plus, on retrouve l'aigle. Vous avez vu, c'est assez étonnant. On l'a ici, on l'a là, on l'a là. C'est bien un aigle, hein. Donc, la tempête et l'aigle, avec un appel au secours. Oui, donc c'est ça, en fait. Ils attendent un petit peu qu'on les appelle au secours. Hein. Bon. Alors, mais est-ce que ça va se faire? On va mettre deux cartes. Non, on va mettre trois cartes pour avoir une espèce de résultat, quelque part. Alors, ici, on a la sagesse. Donc, ça peut être le général des armées, par exemple. Hein. Un homme d'expérience avec, justement, le symbole de la sagesse sur l'épaule. Ça peut éventuellement marquer... la saison, ah, je sais bien, vous allez me dire, oui, mais il faut encore attendre. Ben oui, je sais, mais enfin, c'est pas moi qui débloque les choses. Alors bon, c'est vrai qu'en astrologie, moi, j'avais quand même vu ça sur 2021. Hein. Donc, on verra. Ici, on a les médias. Et ici, on a encore la banquise. Voilà, ça, on a quand même pas mal d'histoires de froid. C'est comme si, en fait, tout était gelé. Donc, ça fait penser à des choses qui sont bloquées. Parce que quand c'est gelé, ça bouge pas. Il y a deux pingouins qui se regardent, là, sur la banquise. Donc, des questions d'isolement. Mais alors, pourquoi j'ai les médias? On va essayer de remettre une carte. Bah, tiens, on va remettre une carte avec celle-ci. Hein, on peut aussi les utiliser. Donc, j'ai dit, est-ce que ça allait se faire? J'ai deux fois la carte de l'hiver et j'ai les médias. Alors, les médias, ça peut être aussi les gens qui appellent. Hein. Alors, vrai. Bon, bah déjà, c'est une belle carte. Hein. Vrai, c'est vérité. Donc, c'est bien, effectivement, quelqu'un, alors à la tête des armées, je suppose, hein, qui quand même a, encore une fois, une certaine expérience. Bon. Ici, on a le chagrin. Ok. Alors, le chagrin avec les médias, c'est pas bon. Mais ça peut simplement vouloir dire, en fait, que les gens sont chagrinés et vont appeler, hein, ça peut être ça, et auto-saboteur. Ouais. Donc là, on a quelque chose quand même qui est assez fort. Alors, qu'est-ce qui va s'auto-saboter? Alors, auto-sabotage, c'est quand il y a une situation de toute façon qui ne tient plus la route, hein, qui se casse. Hein, c'est auto-saboteur parce qu'on en fait tellement que paf, ça craque. Ça fait plutôt penser au gouvernement quand même, auto-saboteur. Hein. On va voir pourquoi est-ce qu'il y aurait chagrin. On va essayer d'en voir un peu plus. Ici, on va recouvrir. Et ici, pour l'instant, j'ai toujours pas ma réponse. Alors, ici, j'ai les enfants. Alors, le bien-être, hein, on peut dire voir ça comme ça. J'ai le dauphin, c'est la carte de l'intelligence et de la chance. Et ici, j'ai des questions d'eau. Des questions d'eau et éventuellement des questions de clarification. Un peu compliqué ce tirage, j'arrive toujours pas à sortir ce qui va se passer. J'ai l'impression quand même que là, il va falloir attendre que la situation se dégénère extrêmement pour qu'on ait vraiment une armée qui intervienne. J'ai courage, ouais. Alors, ça pourrait aller vraiment pour les enfants. Hein. Ici, j'ai humilié. Ah, donc il va bien y avoir des clarifications qui vont humilier certaines personnes. Et là, j'ai un homme. Alors, un homme dauphin. Ben, c'est un homme qui est positif. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est l'armée, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est bien. Donc, on va avoir quand même des révélations. On va aller... En fait, ça me fait penser à la vieille femme. Là, bon, c'est le symbole de la sagesse. Mais c'est aussi, elle remue dans l'eau pour trouver des choses qui sont cachées. Hein. Donc, il y a bien, en fait, encore des histoires de révélations qui vont remonter à la surface et qui vont humilier des personnes. Alors, c'est comme si je vous entendais en train de me dire « Oui, mais ça fait longtemps qu'on nous parle de révélation, ça n'arrive pas. » Oui, mais enfin, bon, ça arrive tout doucement. Hein. Regardez les États-Unis, ça a mis 9 mois, quoi. Hein. Et puis là, quand même, la fraude a été révélée, donc tout vient à point. Hein. On a eu quand même des informations qui remontent de plus en plus. On a eu des scandales, quand même. Hein. On a... les conflits d'intérêts qui remontent. Enfin bref, on arrive quand même à avoir des informations. Simplement, on n'a pas encore des têtes qui tombent. Bon, mis à part celle de Sarko, n'est-ce pas? Enfin, bon, ça fait longtemps que ces casseroles et les trimballes, donc bon. Mais lui, il m'inquiète pas. Alors, c'est pas le problème. Bon, alors attendez, on va essayer de voir quand même auto-saboteur. Donc, on va avoir des histoires de clarification. On va avoir les gens qui vont se battre avec courage pour les enfants. Ouais, ça ressortait déjà. Il faut se battre pour les enfants. Alors, par rapport toujours à l'armée, est-ce qu'on peut avoir un petit peu des indications? Il y a les loups qui hurlent et il y a les petits poissons. Alors, les petits poissons, c'est encore les choses cachées. Les choses qui remontent à la surface, encore une fois. J'aurais tendance à la mettre par là, moi. Les loups qui hurlent. Alors, ces loups, parfois ils sont bien, parfois ils sont négatifs. Ça va dépendre. Ressentiment. Ouais, alors ça, à mon avis, c'est plutôt les gens qui hurlent. Voyez? Et le gouvernement qui continue à jouer sa petite musique. Donc, il y a un ressentiment qui va augmenter. Ici, on va regarder sur les petits poissons ce qu'il peut y avoir bienveillant. Bon, c'est toujours ces histoires de clarification. Ça bouge pas pour l'instant. Alors, on va regarder avec le jeu Mythos. Par rapport à auto-saboteur, il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors cette espèce de roue dentelée, je ne sais pas ce que c'est. On peut y voir un peu ce qu'on y veut, hein. Ça peut être un changement de cycle, par exemple. Mais il y a des espèces de pointes, ici. Donc, c'est comme si on lançait quelque chose dans l'eau. Et ça va éclabousser tout le monde. Vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure des tirages, je change d'interprétation. Et qu'est-ce que je sors après? Le feu. Ouais, donc ça, ça fait penser quand même à une agression. Et on va mettre une dernière carte avec la porte ouverte. Donc, il y a quelqu'un, en tout cas des gens, qui vont entrer dans un endroit ici, hein, la lumière, et la porte est ouverte. Donc, c'est comme si, en fait, on permettait l'intrusion à certaines personnes pour lancer quelque chose ici. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a le feu. Donc, c'est ça. Écoutez, moi, franchement, les histoires d'armée, oui, c'est bloqué pour l'instant, on le voit bien, hein, c'est pas maintenant. Il va falloir attendre vraiment qu'il y ait quelque chose de dramatique qui arrive. C'est pas la première fois que je le dis, hein. Sinon, ils ne peuvent pas intervenir. Il faut que les conditions soient extrêmes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ils n'interviendront pas contre le peuple. Je ne pense vraiment pas. Ils interviendront par rapport à une intrusion, une attaque. C'est pas ces cartes-là que je voulais mettre. Ah, pardon. C'était les autres, c'était celle-ci. Bon, on va quand même aller la retourner, hein. Alors, ouais, bon. On va la mettre de côté parce que c'est pas ce que je voulais sortir. Mais enfin, là, c'est bon, la mère qui parle à l'enfant, c'est prendre conseil, hein. Bon, ok. Donc là, c'est les instructions. C'est pas ça que je voulais voir. Moi, c'était avec ces trois cartes-là. Les autres cartes. Voilà. Alors, on a le début. Donc, c'est ça. Et c'est le début. Donc, c'est vraiment le début, donc ça commence, hein, le commencement. Ici, on a se conformer. Et là, on a le chef. Donc, il y a bien l'initiative de quelqu'un. Quelqu'un qui a une certaine autorité. Mais cette fois, c'est pas par rapport au chef des armées, c'est plutôt par rapport au chef. Je sais pas, j'ai un mot commando qui me vient en tête. Hein. Voilà, de temps en temps, j'ai des mots comme ça qui me viennent. Donc, une espèce de commando, là. Avec un chef à la tête de ce commando ici qui va s'introduire dans un endroit. Alors un endroit, il y a de la lumière, donc il y a des gens. Hein. Et ça va être le début d'une attaque. Hein. Se conformer, en fait, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. Hein. Bon, et c'est là qu'on aurait l'intervention. On va regarder plus loin. Alors, on a le piège. Et on a le pêcheur et le poisson. Bon. Et aussi une flèche brisée. Ah, on l'avait pas vu encore, ce symbole-là. La flèche qui est brisée. Donc, est-ce que c'est une attaque qui échoue? En tout cas, on a l'impression que ça fait un triangle. Une flèche qui est brisée. Ok. Bon, ici, on a nettement des gens qui sont un piège, hein, des gens qui sont maléfiques. Hein, c'est le cyclope. Ici, et on a le dragon. Alors, dragon, c'est pas forcément mauvais, hein, parce que là, on voit le pêcheur qui vient demander conseil à quelqu'un qui est plus puissant. Bon. Bon, ça peut être justement cette fameuse armée qui vient comme un dragon, dans un danger, ici, un danger important. Et là, on a quand même une flèche brisée. Alors, pour briser une attaque, par exemple, hein, ça pourrait être ça. Pour empêcher une attaque, ou en tout cas, pour arrêter les choses. Alors, on va regarder avec le dernier jeu, savoir est-ce que ça va se faire. Hein, parce que là, moi, j'ai l'impression que oui, quand même. Mais bon, c'est une intuition. Hein. Maintenant, évidemment, je peux me tromper, je suis comme tout le monde. Mais j'ai quand même l'impression. Alors, on va regarder la coupe. Ah, j'ai une carte qui est sortie du jeu. Alors, j'avais le diable ici. Alors, du coup, la coupe, en fait, la coupe, c'est celle-ci, hein. Parce qu'elles sont tombées. Donc, j'ai le diable avec l'as de bâton. Alors, le diable, c'est mauvais. C'est les gens, les malveillants. Voilà, les gens qui sont malveillants, exactement. Et l'as de bâton, donc des gens malveillants avec l'as de bâton. J'ai pas de diable avec l'as de bâton ensemble. J'ai pas d'interprétation. Mais l'as de bâton, c'est le pouvoir et le commandement. Donc, ça veut dire des gens malveillants qui vont, comment dire... Alors, qu'ils vont réussir des choses, hein, puisque c'est l'as de bâton. Donc, effectivement, ils vont avoir du succès dans ce qu'ils vont faire. Malheureusement. Ouais. Ah, puis alors j'ai le mat qui s'est retourné en même temps, décidément. Je n'avais pas vu celle-là, elle est tombée. Confusion et flottement. Ouais. Bouillonnement d'idées non coordonnées. Donc c'est un peu des gens qui sont fous. Et ça peut être aussi des gens qui ont des idées folles. Alors par exemple des comment on appelle ça, des fanatiques. Ça me fait penser à ça. Bon bah écoutez, il y a quand même quelque chose qui se trame. Du coup, j'ai pas réussi à avoir ma datation. On va voir. Mais bon, c'est les 3 prochains mois, donc c'est donc pas très loin, pas très longtemps. On parle pas d'années là. Je sais ce que je vais faire. Je vais reprendre une carte du paquet et je vais regarder par rapport. Le paquet du coup il est là. On va les enlever. Hop. Ah, c'est curieux en dessous ce qu'il y a. Tiens, ça c'est vraiment bizarre. J'ai l'arcane sans nom et la lune. L'arcane sans nom, c'est les transformations brutales, effectivement. Mais la lune, c'est le peuple. Oh là là, il va y avoir des trucs. Bon, je vais reprendre le paquet. Et là, ça me fait penser en fait à des victimes dans la population, moi. Bon, je voulais simplement voir au niveau du temps si on pouvait avoir par rapport au numéro de la carte. Alors... j'ai encore la lune. Alors la lune, ce qui me vient, en fait, ça me vient avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Alors il y a une nouvelle lune le 6 octobre, si je ne me trompe. Et ensuite, eh bien, on a des éclipses fin octobre. Et ensuite, on en a une en novembre. Je vais aller vérifier, mais normalement, de mémoire, c'est le 26 octobre et le 10 novembre. Donc, octobre-novembre. Ouais. Donc ça pourrait arriver assez vite. La lune, c'est aussi l'astre le plus rapide. Intuitivement, tiens, je pense au 18 octobre. Bon, alors, ne me prenez pas au mot, s'il vous plaît, s'il ne se passe rien le 18 octobre. Mais je ne sais pas. Je vois le 18, alors bon, voilà, je prends le chiffre. Sur le mois d'octobre. Ok. Bon, donc, je crois qu'on a notre réponse. Donc, pour l'instant, pas d'intervention. Mais... pas non plus d'intervention contre les manifestants. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'armée est en hésitation parce qu'elle est soumise à des contraintes. Ils détestent la politique actuelle, aversion, très nettement. Mais ils ne peuvent pas intervenir. Ils vont être obligés d'attendre qu'il y ait des choses dramatiques qui se passent. Et ensuite, eh bien... alors, oui, justement, on n'a pas regardé. Alors, si ça arrive, on va être dans le conditionnel, tant pis. Est-ce que, effectivement, est-ce que ça va changer la donne, si on a effectivement des gros problèmes avec des attaques et tout, est-ce que ça va améliorer la situation d'une certaine façon? Alors on a le lion qui danse avec le sauvage, donc ça c'est le peuple, on peut considérer que le lion c'est le symbole de la force et du courage, donc c'est pas une mauvaise carte, ça pourrait être au contraire très positif. Et là, là en fait on retombe sur les questions de regarder à long terme, donc c'est pas oui, ça en fait ça veut dire qu'ils attendent, ils attendent vraiment. Voilà, pour l'instant, ils sont en retrait. Bon, on n'en saura pas plus. Quand le jeu ne veut pas parler, donc ça veut dire que c'est la fin. Donc, je n'ai pas le droit d'en dire plus. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est positif et que par la suite, eh bien, ça devrait changer des choses quand même. Ça devrait changer des choses en positif. Bon. Alors, encore une fois, ne m'en veuillez pas. S'il n'y a pas d'aboutissement sur octobre, parce qu'au niveau du temps, évidemment, là, il faudrait être super génial pour trouver le bon mois. Alors, je n'ai pas la prétention de l'être, il peut y avoir des décalages quand même. Mais quand même, moi, je dirais bien que dans les 3 prochains mois, ça devrait vraiment bouger. Je serais quand même très étonnée qu'il ne se passe rien d'ici la fin d'année, d'ici décembre. Bon, en tout cas, faites attention à vous, parce que là, le risque, il est là. Il ressort à chaque fois quand même. J'ai toujours les histoires de feu. Vous avez vu qu'il y a des volcans qui se sont réveillés quand même. C'est curieux, Et puis, on a eu beaucoup d'incendies sur 2021. Donc, l'élément feu est important. Bon, on a aussi des inondations, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais le feu, c'est plus destructeur, j'ai envie de dire. Parce que le feu, une fois que c'est brûlé, il n'y a rien qui repousse, quoi. Donc, c'est plus embêtant, si vous voulez. Alors que le feu, bon... alors que l'eau, l'excès d'inondation, la nature, normalement, elle s'en remet. Mais là, le feu, ça m'embête. Ok, bah écoutez, faites attention à vous et puis à bientôt. Au revoir.